Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Minute. Et je vous retrouve sur le menu principal, puisque bon, si vous êtes là sur ce troisième épisode, vous connaissez maintenant le principe. Ce sont des petites runs d'une minute. Et voilà pourquoi je vous prends pas en jeu et parce que j'ai quelques éléments à apporter par rapport à ce que j'annonçais dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je disais que comme le jeu était court, on allait le faire à 100% et on va le faire à 100%. Donc je me suis un petit peu renseigné sur les succès, sans me spoiler le jeu bien entendu, ni me spoiler l'emplacement des éléments à trouver, ce genre de choses. Donc je ne sais pas si le jeu, si la capture vous montre les succès. Au cas où qu'il vous les montre, comme ça vous les voyez. Non, bon, ça on va couper. Si vous le voyez, tant mieux, vous pouvez le lire, sinon je vous le dis, on est à 51% des succès, puisqu'on en a fait 14 sur 27, sans forcément chercher à les faire, juste à avancer dans le jeu. Il y a peut-être deux ou trois, oui, il y en a deux ou trois qu'on a fait rapidement au début du précédent épisode, comme arroser le chien et ce genre de choses, que j'avais vu. Bon. Donc je me suis renseigné pour le reste et apparemment il faut faire plusieurs runs pour les avoir, certaines avec contraintes et en fait le New Game Plus a une fin différente et un cheminement différent apparemment, donc c'est vraiment un petit peu différent sur la fin. Donc on va faire plusieurs runs. Je pense que je mettrai entre parenthèses sur les titres des épisodes run 1, run 2, run 3, etc. Et donc là pour cette première run, on va continuer tranquillement à faire le jeu, on va pas se préoccuper des pièces, des cœurs, des objets récupérés, etc. Si on les trouve, tant mieux. Sinon, tant pis, on va essayer de faire le plus possible et on va finir une première fois le jeu. Après, je vais faire une run qui va être de récupération des objets. Je sais pas encore comment ça va se goupiller en termes d'épisode. Alors moi je vous le dis maintenant parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Moi au moment où vous le verrez, j'aurai déjà enregistré ces épisodes. Mais je ne sais pas encore si je fais ça vraiment de manière suivie ou je vous fais un petit condensé à chaque fois que je trouve un truc comme ça avec un petit panneau de transition. Je ne sais pas, avec peut-être commentaire en voix off. En off. En fait j'enregistre le gameplay, je fais le montage et après moi je monte avec ma voix dessus. Peut-être que je vais faire ça, soit ou sinon on fait tout d'une traite, etc. Donc là, je vais vous faire plusieurs épisodes avec par exemple les pièces, les cœurs, les tentacules et les objets. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à récupérer. Il y a aussi les quêtes secondaires, mais normalement, ça on est censé les faire, j'imagine, avec les objets, etc. Donc il y a ça, et après, on fera une run de la deuxième Odyssée, c'est comme ça qu'ils appellent le truc. Une run sans tuer de serpent et une run pour finir le jeu en moins de 25 cycles, chaque cycle étant 60 secondes. Donc voilà pour le programme des épisodes qui vont venir par la suite, hein. Donc je rappelle, c'est un let's play qui est enregistré intégralement en avance, puisque normalement Minit est un jeu qui est sur le Game Pass PC. Là, je le fais moi sur mon compte Steam parce que je l'ai sur Steam, donc autant le faire sur Steam. Comme je ne l'avais jamais fait et que j'ai pas les succès. Et puis, donc voilà, ça c'est ce que je vous annonce. Dans 2 jours, vous verrez la suite, etc., etc. Donc, assez blablaté en ce début d'épisode et nous on est ici. D'accord. Ça fait quelques jours hein, que j'ai pas enregistré Minute. Donc, je veux voir 2 choses. Est-ce que j'ai définitivement bugué le mec qui est ici, le gloops, non, il ne veut pas. Ok, donc lui, je crois que je l'ai bugué quand je suis mort. Là, il y a des ennemis. Alors eux ils font quelque chose, hein. Je pense qu'ils font quelque chose. Ils étaient moins nombreux la dernière fois, parce que j'ai rematé un petit peu l'épisode rapidement. Ils étaient moins nombreux. Là on remarque qu'ils sont 6 à la place des 5 la dernière fois. Il y en a un qui est pas armé.
peut-être le laisser en vie, lui. On va s'occuper des autres. Je suis laissé entraîner par cette graine de voyou, on s'est même fait tatouer. Je vais rentrer à l'hôtel. Ok. Donc ça, c'était un autre client de l'hôtel. Est-ce que j'ai tous les clients et est-ce que je peux aller... trouvons un dernier client et j'ouvrirai la piscine. À mon avis, c'est impossible de rester sous l'eau une minute. Ouais, je sais, mais... En fait, le dernier client qui te manque, c'est... Ah, je suis deg, je suis sûr que c'est lui. Ah, mais vas-y, vise. Non. Est-ce qu'il faut que je le... Est-ce qu'il faut que je le libère en ayant perdu zéro de vie? Peut-être. Voilà, c'est loupé. On s'en fout, hein, on n'est pas sur la run minimaliste. Donc, parce que c'est comme ça que le succès s'appelle. Bon, on fera pas ça sur tous les jeux, hein, bien sûr. Là, c'est juste qu'on profite d'un jeu très court, mais très cool. Voilà, j'ai pas perdu de vie, non, mais... Il y en a rien à cirer. Par contre, si je viens depuis la maison, peut-être que c'est ça qui fonctionne pas. Il faut juste que je prenne mon téléporteur. Voilà, je suis à la maison, on est content. J'avais cassé ce pot ? Oui, je l'avais cassé. Hop. On se fait tuer. Là. Écoutez, on va essayer d'aller vite chez notre ami le plongeur. Parce qu'en fait, je suis bloqué surtout à cause des palmes. Il y a cette tentacule aussi. J'ai peut-être une idée pour la tentacule. Je voudrais tester quelque chose. Non. Vite. Si je prends ça... Non, ça ne fonctionne pas. Je prends l'épée. L'appareil photo, on en aura besoin, mais plus tard. J'ai peut-être une idée avec ça, c'est peut-être une idée débile. Ah oui, oui. Tiens. Vous êtes de nouveau 6, mais cette fois ils sont tous armés. Non, si, si, lui est armé. Ok, je les ai tués, mais. Ça n'a pas fait grand chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais, 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 si vous voulez. Ça doit être des indices sur des trucs. Ouais, c'est ça, on te entra à coup d'indice. Vous acharnez des bois, donc j'imagine qu'il faut tuer un certain nombre de fois les ennemis qui sont ici. Les chaussures pour être emmurées, ben c'est dans le temple secret du désert. Oui. Apparemment j'ai débloqué quelque chose, mais quoi, j'en ai aucune idée. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'avais dit que j'avais une idée pour un truc. Pas ici. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Alors, comment faire pour y aller? Je crois qu'il faut que je parte d'ici. Sur 6 hein, pour les cœurs, on n'est pas trop mal.
En fait, je veux faire un truc avec la caisse. Est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, je ne sais plus. Peut-être qu'en faisant le grand tour, non. Mince, je suis perdu. Ça mène où ça? Attends, on va repartir de l'hôtel. Non, je suis perdu. Et si on attend dans la queue? Non, ça a l'air de rien faire. Hein. C'est une idée débile. Pour le coup. Ah, oh, il y a une pièce. Il y a une pièce. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y foncer. En fait, il faut suffisamment attendre. Ça, c'est cool. Alors, je me demande si entre les parties, on conserve ce qu'on a gagné ou pas. Je ne pense pas, hein, sinon ce serait trop simple. Donc là, il faut attendre. Tout simplement, on va attendre, tranquille. C'est malin parce que il y a certaines choses qui demandent ce que t'attendes, alors que tout le jeu en fait te presse continuellement, ne serait-ce que par son principe. Des 60 secondes. Pourquoi 65? Je ne sais pas. Des 60 secondes et tu meurs. Donc c'est malin de leur part. Ah, il ne manque qu'une pièce hein, pour pouvoir avoir les chaussures. Bon, on va se laisser tuer. Il reste un dernier client, mais je sais pas du tout où il est, si ce n'est que c'est certainement le plongeur et qui est buggé. Oui, mais je voulais pas faire ça, bon, c'est pas grave. En fait, le mec à l'entrée nous dit « Seule la presse peut passer ». Bon, la queue, ça ne sert à rien. Donc, et à mon avis, on trouvera pas une carte de journaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, je vais prendre ce petit appareil photo et je vais me faire passer pour un journaliste. Vous êtes un journaliste, un signe, je démissionne. Et voilà, on peut passer. Ok, donc j'avais la bonne idée. Et malheureusement... Ouais, malheureusement, on ne peut rien faire. On est obligé de mourir. Parce qu'il faut récupérer l'épée, j'imagine, pour... se frayer un chemin. Surtout, on a vu un tentacule. Et oui, il se pousse définitivement. Donc nous on y va. Essayons de voir s'il n'y a pas un truc qui est caché. On peut passer ici. Te voilà enfin, c'est le chaos dans toute l'usine sauf nous, je t'en supplie. Ok, d'une. Une tentacule. Qu'est-ce que c'est que ça? Une machine. J'ai tout cassé. J'imagine que maintenant je vais pouvoir descendre du coup. Avec les bottes on irait tellement vite. Donc on va aller par là. On pourrait regarder ce qu'il y a par ici aussi. Toilette, pourquoi pas.
Si j'ai un camion. Ça fait un moment qu'on a arrêté les livraisons. Là on est de l'autre côté. Ici, je suis bloqué. Ah. Ouais, il me faut vraiment les palmes. Mais là, je vois vraiment pas où il est le dernier client. Si c'est pas le plongeur, évidemment. Je mettrai ma main à couper hein, que c'est lui, mais ça se trouve je dis n'importe quoi. Parce que du coup c'est coupé l'électricité ici, oui. Je peux aller là, je peux aller en bas. Ok, si je fais ça, ça. Et ça, et ben j'ai une pièce. Ce qui est cool, parce qu'il nous fallait 7 pièces. Je suis où ? Célèbre fabricant de panneaux. Ah, je suis là ! Intéressant. Très très intéressant. On va mourir. Alors, je voulais voir un truc dans le désert. Si je pars par ici. Déjà, il y a temple secret. Il lui en manque encore 5. Malheureusement, là, je n'ai rien. Parce que lui, il a quelque chose. Le départ de la demeure roule, végète avant que tu meures. Quoi ? J'ai aucune idée de ce qu'il me raconte. Je ne sais pas souvenir qu'on était à droite du temple. Peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, je peux aller chercher les baskets, je sais. Calmez-vous, on va y aller. On va y aller, vous inquiétez pas. Je veux juste vérifier les choses que j'ai pas encore vues avant de faire des trucs plus évidents par exemple. Bon, apparemment ça donne rien. Bon, on va continuer quand même, mais. Aïe. J'ai beau courir. C'est vraiment un désert sans fin, donc on va se laisser mourir. Nous, on va aller voilà, du côté des baskets. Voilà. Chaussures véloce. 19 pièces pour un magnifique cœur. Ouais. C'est bien, mais. Ah, c'est au pif. Hein. Ah. Bah une pièce. Parfait. On est vite. Pas un cœur et comme ça. Ah. Oh. Intéressant ça. Ça c'est une donnée intéressante parce que ça veut dire que il y a un tentacule, je sais comment l'avoir du coup. Donc on va foncer ici. Ah, ça va tout de suite plus vite. Hein. Allez, 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 allez. À mon avis, ça va être quand même tendu. Alors attendez, il y a un succès, on va le faire aussi, qui n'est pas un succès. Par rapport à la complexion du jeu, mais
Par rapport à un truc, faut ramasser un objet une seconde avant de mourir. Finissons nos phrases aussi. Voilà, il y a un cœur. Donc on va attendre. Une seconde, c'est bon. Et je meurs. Ah, ils mettent un peu de temps à apparaître. Ah. Attends, j'ai coulé là. On peut couler. On peut mourir comme ça. Ah bah je suis pas... Qu'est-ce que c'est que ce... Ok, alors, découverte au pif, hein, là, pour le coup. Oh, bon, une pièce. On est à 9, hein. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Il y a moyen de remonter, par contre. On est mort, c'est pas un souci. Bonjour, j'ai pas le temps, barrez-vous. Oh, passage. Du coup, je ne sais plus. Oui, comme ça. Ah, ça va être tendu, ça. Merde. Est-ce que ça reste, par contre? Placement d'un X marqué, enfonce-toi dans l'obscurité. Placement d'un X marqué. Qu'est-ce qui me baragouine? Ouais, je vous avoue, bon, de toute façon on a perdu trop de temps, je vous avoue que c'est mort. On est reparti. Oui je sais, je fais de l'annexe, j'ai dit qu'on continuait notre run normal. C'est plus fort que moi, bon c'est pas grave. On s'en fout de perdre de la vie. Hop. Allez. Ça, nous on se barre. Allez, allez, allez. C'est tendu quand même, hein, le temps là. Le temps, il est vraiment limite. Hein. Surtout que la caisse ne reste pas. Merde. Parfait. J'ai vu ce que je voulais. On va partir par là. Donc ça c'est un raccourci. Super. Si on descend, qu'est-ce qu'on a? Attends, t'excites pas. Je vais passer ici. Bon. En fin de l'aide, il faut arrêter ce tapis roulant. Il n'y a pas une caisse ou quand même comme ça. Bon, j'ai vu le mécanisme. J'ai une idée, c'est stupide, hein, mais. J'ai une idée.
Mais d'abord, je veux parler à tout le monde. Mon plan fonctionne, rien ne peut plus m'arrêter. Tiens. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, faut que je tire sur mon casque parce que le chat est sur le fil et du coup ça me tire la tête. Et... Voilà. C'est mieux. Parce que là j'ai le chat sur les genoux. Donc madame s'est installée en mode... Ouais, je suis tranquille, je suis bien, j'ai envie de t'emmerder pendant que t'enregistres. Mais bon, hein, si on pouvait éviter de me tirer la tête... Attendez. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas fouillé. Ouais, là, ici, on n'a pas été. Attends, cette poubelle, je vais fouiller. Oui, je vais fouiller. Ici. Meurs, toi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'arrive. Regarde, les leviers se rabaissent. Ah. J'ai arrêté la machine. Parfait. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce que ça a fonctionné? Parce que j'ai l'impression que ça continue à... Ça s'est remis en marche. Non, c'est vraiment arrêté pour le coup. Je peux aller de là. Merci, pas de rien. Ça dit, c'était toujours pas ce que je dois faire. Je me demande si je peux rentrer dans un camion, tiens. Ce serait pas idiot. Ah. Je suis bloqué. Bon, donc non, ça ne fait rien. Eh bien, on va aller... On va aller tout simplement... taper le... Enfin, regardez les camions déjà, si je peux pas rentrer dedans. Si. Et une pièce, cool. On est à 10, hein. Finalement, on a pas mal... Fouiller le jeu quand même. Non, je peux pas rentrer. Alors, on a pas mal fouillé le jeu de manière assez efficace. Sans utiliser de solus, sans chercher quoi que ce soit. Donc, bah, si, on les a un petit peu cherchés, mais je veux dire, c'était pas vraiment dans l'objectif principal. Voilà, maintenant je fais ma connerie. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais désolé. Ah bah merde, je pensais que c'était ça. Bah alors comment je fais? Ah. Mais c'est pas du tout ça. Je sais pas, je prends ça. C'est jamais. Je sais pas à quoi ça sert ce truc, c'est peut-être pour délimiter. Non, ça ne fonctionne pas. Avec mon épée, avec mon arrosoir, je vais pas aller loin. Cela dit, attends, je vais reprendre l'arrosoir. Je vais juste vérifier un truc dans le temple. Bon, les tentacules, on les aura pas, hein. C'est mort. Il y en a certainement qui sont dans l'eau. Je vais vérifier qu'on ait bien tout fait ici. Voilà, on est passé. Il y a un coffre. Non,
c'est bon, y a rien de plus. Bonne question du coup. Qu'est-ce que je peux bien faire? On est d'accord, il faut arrêter la machine. Il faut que je puisse arrêter ça. Comment je fais? Je suis totalement bloqué. Déjà, c'est super. J'ai enlevé l'électricité. Je peux aller là, mais ça m'avance pas. De l'autre côté de l'usine. Ouais, certes, mais comment je fais pour y aller? C'est ça ma question. Non, un peu par là. Comment aller de l'autre côté de l'usine? Ça renfonce fond comme tout à l'heure. Non, ça se casse pas. Non, ça se casse pas. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Non, ça reste bloqué. Bah, à moins d'aller dans les mines, là, je vois pas. Certes, mais je suis toujours bloqué, c'est chiant. Bon, il y a ça. Bon, déjà, il va falloir aller prendre le lit de l'hôtel. Si j'avais les palmes, on serait tellement bien. On aurait terminé, même, je pense. Je suis presque sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oui, mais je sais. Mais... Vous êtes nombreux. Hein. Qu'est-ce que je fais moi en fait? Ça on a récupéré. Lui il avait l'air d'être perdu. Enfin d'être plus être là. Bon, direction les mines. Certainement quelque chose que j'ai loupé. Bon, il faudrait que je puisse passer là, quoi. Ça ne sert à rien. Est-ce que je peux pousser les bombes? Ah non, je les ai fait exploser. Côté de l'usine, certes, mais ah putain, ça me saoule. Ça se trouve, on est bloqué à cause d'un bug. Oh, parce que là, je vois pas. Hein, franchement, là, pour aller bloquer le truc. Je vois ce qu'il faut faire, je vois où est-ce qu'il faut aller, pas de soucis. Mais il me manque un client pour avoir les palmes. Je sais pas ce qu'il veut lui. On va attendre à côté. C'est peut-être un truc de patience. Et vu qu'il y a des ennemis autour et qu'ils étaient sortis quand on avait tué les ennemis. Allez. Et ça. Ah, c'est bon.
Ça a marché. Ok, d'accord, c'était juste un truc de patience. Ah, là ça a fonctionné le succès que je voulais faire tout à l'heure. Ok, on a les palmes. Donc les palmes, ça va faire beaucoup de choses. Employé du mois, je crois que c'est qu'on a fait toutes les quêtes secondaires. Ou les gens pour l'hôtel. Ah, bah voilà. Là, je suis content. Alors, on pourrait avancer. Mais du coup, comme j'ai les palmes, j'ai envie de faire plein de choses. Déjà, j'ai envie d'aller là. Depuis le temps. Et de dire, merci la pièce. Parfait. Parfait pour ça. Là. Dans ce passage, je crois qu'il y avait des choses à faire. Avec de l'eau, voilà, on pouvait aller de l'autre côté. Ok. Le... Où en est-on ? 12 sur 16, 11 sur 19, 5 sur 6. Putain, c'est quand même tentant de... d'essayer de tout faire dans la première run. Déjà, il y a ça. Où est-ce que ça me met ? Là, il y a une cascade, on peut la remonter ? Ah non, on peut aller dedans. Une autre pièce, parfait. On est à 12. Ah bon, écoutez, je change encore d'avis, c'est pas possible. Je suis insupportable. Alors par rapport à ce que je disais au début de l'épisode, finalement, je pense qu'on va faire quand même les cœurs et les pièces dans cette première run. D'accord. Comment je l'esquive lui par contre ? Parce que ça va être compliqué ça. Les objets, j'imagine que non, parce que les objets... les objets... Merde ! Attends, il y a peut-être des caisses sur le côté. Les objets, j'imagine que s'il y a une deuxième run avec... avec une autre fin, du coup, c'est qu'on peut pas tous les récupérer dans la première. Mais les pièces et les cœurs, il y a quand même moyen, je pense. Ah, c'est ça, il faut utiliser les caisses. Et il s'en va. Ah, merde. Je l'ai pas vu. Bon. Bon, du coup, l'usine me semble être vraiment être la fin du jeu. Donc, on va laisser l'usine où elle est. Vite. Ouais, mais vas-y, il est là. Tout à l'heure, il était pas là. Il était de l'autre côté. C'est chiant. Le truc, c'est que tu peux vraiment pas prendre ton temps parce que du coup, faut que tu cours quoi. Ça me fait penser à Amnésia. Il y avait un ennemi invisible qui était dans l'eau. Oh, t'es sérieux? Je fais tout ça pour un tentacule? Même pas pour un cœur ou une pièce? Ok. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Le vieux, il disait quoi déjà? On pourrait l'écouter, mais... Attends. Toi, on va pas... On va pas un tentacule ou comme ça par ici. On meurt.
Le vieux utilisait un truc, il fallait aller sur la gauche, puis au sud, ou je sais pas quoi. Alors on pourrait réécouter. Mais bon, j'ai envie de vous dire la flemme. J'ai pas le temps. Et là, littéralement, hein, j'ai pas le temps. Ok. Merde. Mettre pour éviter qu'on se balade trop sur les extérieurs. Qu'est-ce que... Les serpents ne sont méchants. Ne sont pas méchants ou sont méchants? Ça rejoint le désert ici. Bon écoutez, je crois qu'on est reparti pour aller écouter le vieux parce que je trouve pas de tête. Où est-ce qu'elle est? Alors, parti papy. Vas-y. Alors, parfois, je fais... Oui, alors ça, je m'en fous. Voilà, c'est ça. Le trésor. Gare au requin, oui, j'avais remarqué, t'inquiète. Nage vers l'ouest, puis au rocher émergé, cap au sud. Ah, attends, c'est le rocher émergé qu'on voit là ou c'est un rocher émergé plus loin? On va voir, déjà on va faire cap à l'ouest, donc à gauche. Là, on fait au sud. Ah, tentacule, déjà. Et un coffre, est-ce que c'est le dernier cœur? Coucou, c'est encore moi, je profite de la plage. As-tu déjà trouvé la pièce sous la cascade? Oui. Je pensais qu'on allait la remonter, mais... Et là, j'ai une pièce. On est à 13. Ok. Je veux mourir parce que je veux repartir. Hop, salle de téléporteur. Je veux repartir. Ici. Tac. Je sais plus où est le temple. Il est là. Tac. Là, il y avait deux loups. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché? Si, là, voilà, il y a un truc. Tentacule. Ah, c'est vrai que je peux pas frapper dans l'eau. Hop. T'en as combien, toi, en fait? Ah, il en manque plus qu'une. Plus qu'une. Attendez, je meurs. Qu'est-ce qu'il nous manque? Globalement. Il nous manque un cœur, un tentacule, 6 pièces, pour en compter, et 4 objets. Bien. Et ben là-dessus, on va pas se quitter. Je suis en train de regarder le temps de l'épisode. Il y a un peu... On a encore un peu de temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre une indication. Et si on galère trop à trouver la tentacule, je vais faire une ellipse. Et du coup, comme ça, on pourra terminer l'épisode sur la tentacule. Et on aura fini cette quête des tentacules. Du coup, vu qu'on a réussi à récupérer les palmes, il suffisait d'écouter le maître d'hôtel. Ce que je ne fais pas parce que je suis pressé par le jeu. Le jeu me stresse avec son décompte. Mais j'aime beaucoup ce principe. Et donc des fois, je mets un peu de temps à trouver la solution et à connecter deux neurones. Ce qui normalement est beaucoup plus rapide hein, dans la vraie vie hein, par rapport à ce que certains peuvent croire, des fois en commentaire. Mais
Mais quand tu joues et que tu commentes et que tu vérifies que tout fonctionne bien, ben t'as l'esprit qui part dans tous les sens et t'es pas concentré exactement sur tout ce qu'on te dit. Donc, moi je vais me noter juste le time code. Alors. Hop, hop. Il vient peut-être d'avoir une petite ellipse, c'est possible. C'est possible. Parce que j'ai fait un alta pour me noter un truc. Donc, que je réfléchis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, il y avait un truc. Ici, il y avait un truc avec la salle des téléporteurs. Il y avait un endroit où il y avait de l'eau. Ok, c'était quoi ce bruit? Je ne sais pas, mais ici, il y avait un truc. On était bloqué, je crois. Ou pas. Je ne sais plus. Merde, c'est pas là. Je suis où? Je suis là. Ici, voilà. Ah oui, je peux pas t'atteindre. Par contre, si je fais ça, et ben voilà, marine biologiste, parfait. On meurt. On va ici. Téléporteur. Ici. Tac. Oui, non, on pourrait repartir de. De là-bas, c'est tout aussi rapide. Et est-ce que tu es content? Est-ce que tu me donnes un cœur, une pièce? Ah non, il me donne l'encre turbo. Merci 8 fois. Et ben, de rien pour cet objet qui est l'encre turbo. Ouais, finalement, ça a été vite, hein, pas besoin d'ellipse. Un liquide précieux apprécié des cuisiniers accélère le maintien, le maniement de l'épée. Ah oui. Regardez. On peut vraiment spammer en fait. Bon. Ce temple, on a pratiquement tout fait, hein. Il reste ce truc. Le départ de la demeure roule, végète avant que tu meures. Le départ de la demeure roule, végète avant que tu ne meures. Alors, je réfléchis. Hein, mais, Ah. Il y avait un petit rire. Ça, il n'y avait pas avant. Bah, quoique, je sais pas si je suis déjà mort ici. Est-ce que le dé... Ce serait les téléporteurs. Donc il faudrait partir de la maison, prendre le téléporteur et partir du maison, prendre un téléporteur et mourir dans la salle. Ça me semble alambiqué et tout ça. Bon, on pourra toujours essayer. Quoi qu'il en soit, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors je suis désolé, ce let's play c'est vraiment le bordel. Hein, qu'on soit d'accord, c'est vraiment un gros bordel. Hein. Je dis un truc dans un épisode, je dis un truc au début d'un épisode, et finalement, au cours de l'épisode, on change les choses. Mais en fait, je pensais abandonner les palmes avant de commencer l'épisode, en pensant que c'était buggé, et pas du tout. Et je pensais pas que les palmes seraient obligatoires pour finir le jeu. Donc, ça change tout. Dans le sens où on va essayer d'aller récupérer toutes les pièces, tous les cœurs. Voilà, je vais réussir à parler aussi, ça peut être bien. Et je vais juste. Hey. C'est dingue, hein, ce jeu, je n'arrive pas à arrêter. J'ai toujours envie de faire une run en plus. Allez, il y a peut-être un petit succès, mais en fait, je suis en train de réfléchir aux pièces. Je me dis, c'est pas un truc avec vous là à faire. On est d'accord qu'ils sont plus nombreux que la dernière fois encore. Bah voilà, une petite pièce.
en plus, 14. Ok. Allez, cette fois j'arrête vraiment. Donc la prochaine fois, on ira chercher les 5 pièces qui nous restent, le cœur qui nous manque, les objets. On fera ça une autre fois, dans une autre run, parce que je pense qu'il nous faut des objets qui seront dans la deuxième partie, dans la deuxième odyssée du jeu. Donc on essaiera de faire ça rapidement en début d'épisode. Et le cœur qui nous manque, on le sait, c'est lequel. Ah, attendez, je coupe ça. Le cœur qui nous manque, on le sait, c'est lequel. C'est le sous-sol du vendeur du chaussure. Il nous l'a dit, si on nous rapporte les 19 pièces, il nous donne un cœur. Donc il nous faut d'abord les pièces. Donc on va trouver les pièces, on va récupérer notre cœur, et on termine le jeu dans le prochain épisode. Sur ce, moi je vous laisse ici, c'est le bordel, ça part dans tous les sens. Ça arrive deux fois, mais bon, c'est un petit jeu tout speed, tout nerveux. Dans son concept, donc du coup ça déteint sur nous et eh bien nous aussi nous sommes dans la nervosité et on part dans tous les sens. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que l'aventure vous plaît toujours. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à dans 2 jours pour la fin de la run 1 et la fin de la récupération des pièces et des cœurs. À la prochaine.